Comment allez-vous par ici? Ah, ça va lâcher la palette. Ça, c'était... gratos. Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? C'est fou, ça. Ça va lâcher la palette? Ah, bien sûr. Tout droit. On va exploser ce moteur-là dans un coin. Ça aussi. On a quand même trois palettes, hein. Deux palettes lâchées. Okay. Ouais, ça va, ouais. Je surveille ce coin-là. Hein. Ils ont juste écouté. Et ce sont... je trouve que ce sont des hésiteurs très à l'écoute. Je trouve ça... Oh, mais mec... Arrêtez. Arrêtez! Arrêtez! Je vous demande de vous arrêter! Ah, ça fait plaisir, ça. Là, tout droit. Mais c'est pas vrai! Je vous arrêtez de réparer les moteurs! Je ne suis pas n'importe quel chewing-gum! Bon, cette histoire a l'air pas très bien engagée. Le chewing-gum 2000. Bah oui, le chewing-gum que tu colles sur les balais que tu utilises pour t'envoler. Absolument. Je crois que je t'ai pas vu. Oh, ça lâche la palette, mon gars. Les grands seigneurs, c'est pas juste rare, hein. Ce sont les joueurs qui sont là, hein, qui... la palette encore. Ouais. Ok, ça ne lâche pas les gold palettes. Ok. Voilà, ça fait plaisir. Sachez-le. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça fait beaucoup moins plaisir. Sachez-le aussi. Ça soigne, ça répare. Et ça force, mon gars, ça force. J'arrive, on va arriver au même moment. 1, 2, 4, 3. Oui, bah j'arrive. Et en plus, je l'ai pas vu jusqu'à maintenant. Bah, ça va être le moment, hein. Voilà. Voilà qui fait plaisir. On peut pas dire que c'était la chase du siècle. Pour elle, du moins. Oh, ça force le moteur pour le finir. En étant blessé. C'est en finito, finita. Ouais.
Ah oui, bah oui, évidemment. T'as cherché... Tous les tueurs sont identiques face aux palettes? Absolument. Tout à fait. Tout le monde est égal devant la palette. Devant la sainte palette. Après, tu as évidemment... les perks qui modifient le temps hein, où tu te fais stun. Here's Johnny! Ok, on y est. Je t'ai vu. Fou, c'était elle. C'était elle! Le timing parfait! Là, c'était beau. Là, c'était giga beau. Ça, c'était très très bien joué. Ok. Et comme je l'ai vu ici, je vais venir ici. Voilà. Et comme là, il n'y a plus de palette. C'est finito. Ça, c'était bien. Coup de pression supplémentaire. Ça va? Avez-vous déjà vu un chewing-gum? Saute. Ah, c'est bon ça. En face, je crois qu'il y a une ouverture pour le saut. Là, il y a une montée en puissance. Sur la partie stress. Voilà, qui fait fort plaisir. Voilà. Et là. Elle qui va se ramasser. Le giga hit de l'angoisse. Mais tu fais quoi? Voilà. Les gars, on a une montée en puissance là. Très bien ça. Wow, je suis une gomme bourrée, je suis une gomme bourrée, je suis une gomme bourrée, je suis une gomme bourrée. Ok, on va aller tout droit. Elle est tout foutue. Bah ouais. L'obsession. Bah ouais, là par contre. Oh, elle m'a tellement attendu, elle a tellement bien géré. Elle va peut-être faire changer la donne. Hein. Ah, il n'y a pas de palette là, c'est un peu compliqué. Et là, on est sur du tout doux raboy. Voilà. Ok. Tout son état brisé. Ok. Ils peuvent pas se soigner. Très bientôt. Il tente ou pas? Allez. Les deux sont blessés, ils peuvent pas se soigner. Ils sont en statut brisé. Ok.
C'est le stress pour les deux. Hein. C'est le stress pour les deux. Ah ouais, ça suinte la peur. J'ai pas une bonne visibilité sur les deux, mais en plus de ça, la nuit tombe à tire ce lieu, tu vois. La chance que je peux avoir, c'est peut-être de croiser comme ça. Oh là là, en plus je récupère vite. Voilà, ça tente. L'autre va l'abandonner. Va-t-il l'abandonner? Si je me téléporte dans un casier occupé, eh bien je récupère illico la personne qui est à l'intérieur. Bon, je veux pas camper, ça me dit moyen. Bon, en plus elle est pas là, elle est là. Voilà, elle est là. Bah, j'en étais sûr, je le flairais. Du coup. Ok. Je le flairais, je le sentais qu'ils étaient ensemble. Alors là, cette remontée. Était vraiment quali. La remontée était. Parfaite.